Allez, c'est parti. Il enlève la PO, flèche de display. Allez, on compte sur Ulette. Le Yop là-bas qui joue en résistance, enfin qui joue sans Dragonnage. Ah bah c'est celui où on rigolait tout à l'heure avec Freeze, Poulet là, Poulet. Et il est en 12 en 5, ouais, il y a pas mal de résist. Alors. Il a aucune résistance Ouais. d'ailleurs. Alors, il vient de lancer une Coru. Ouais. J'ai pas eu le temps de voir sur qui. Bah attends, je vais te dire ça. Sur les Nutrois, certainement. Ouais, parce qu'il vient de passer son tour. Et voilà, Alors c'est là. ça. C'est les Nutrois qui a été corrupt. Voilà. Comme prévu. Il se regroupe C'est pour douleur se regroupe partagée. pour que Krala puisse faire ses armures. Voilà. Et que voilà, Xeon fasse sa douleur partagée. Okay. Kawotte d'entrée de jeu. Colère de Yop. Ça paraît bien compliqué hein, de la placer la colère en ultra, je pense. Eh ben pas tant que ça. Hier on a vu un match, je ne sais plus quelle équipe, le Yop a réussi à placer deux colères dans le même combat. D'accord. Ah ouais. Ça a dû faire mal quand même. Enfin, oui, là, la colère est très facilement esquivable avec les Nutrophes qui peuvent faire une maladresse de masse ou pour éviter le bon colère ou D'accord, ouais. maladresse tout simple. Ne serait-ce qu'une autre corruption, je sais pas tous les combien de tours ça se fait, il doit l'avoir au niveau 6. Ben, il a certainement la corruption niveau 6, donc si je ne m'abuse, c'est tous les 6 tours, je crois. Ouais, ah ouais. Je sais plus à vérifier. D'accord. Voilà, l'Irivsa qui donne CPA. Maîtrise de l'épée, donc on peut se douter qu'il doit être en panoplie automatique. Ouais. Alors, il y en a beaucoup qui disent automne, mais c'est automaille. C'est Automaille. Ouais, d'accord. Alors, un odorat. Il n'y a pas eu le temps de voir. Ah bah attends, nous on l'a pas encore vu donc. Ah, d'accord. Maîtrise de l'épée coup critique, roule la fortune, tout ou rien. Alors un odorat plus 1 PA, 2 PM et une roulette plus 450 de chance. Un tout pour rien pour soigner la team. Parce que là, Ikabogos a choisi son mode feu, je pense. Ouais. Ikabogos 0000, il subit rien. Bon allez là. En 5 tours, il est bon. C'est pas mal. Ouais. Voilà, le Krah qui va jouer à la flèche ralentissante. Empoisonné aussi. Oui, pour passer à travers les... Skin menu qui se lance, les boucliers et tout le bordel. Alors, Voilà, pour passer à travers les boucliers. il débuff les nus, enfin non, il fait pas le fantomatique deux fois. Enfin, une fois sur les nids, une fois sur Teufeuse, donc c'est les nids. Je pense. Maladresse de masse. Voilà. Donc, fantomatique sur les nus et sur le Krah ou les nus, je n'ai pas vu. Donc alors. Que fait mon petit? Là, Xeon devrait cop un des persos en face pour le focus derrière Ouais. Krala et Voilà, Kabogos, je les nus. pense. Il a fait ça sur les nus. Ouais, c'était à prévoir. Maîtrise des marteaux coup critique. Son fameux marteau.
D'entrée, coup critique, moins 419. Aujourd'hui, 15% de résistance. Oh, je Alors, suppose. on l'a pas vu, non. On Ouais. l'a pas vu, hein. Ouais, mais enfin, moi je regarde. Il est au garde haut, alors. Ouais. 119, ouais. Ah, pas de putain. Non, quand là vient de se déco. Bon, il va. Ah, s'ils sont fair play, Il passe il son tour. devrait ne pas passer son tour, ouais, ce serait pas mal. C'est d'ailleurs ce qu'il n'a pas fait. Génial, c'est cool. Je sais pas s'ils sont en train de s'embrouiller dans le canal. Mot soignant, effet critique, mais tiens, ça t'apprendra pour le cas de fairplay. Alors, on me MP pour dire qu'ils sont sur le live, on voit directement tes commentaires, en fonction de tes commentaires. Je vais rafraîchir pour voir. D'accord. Ça vient peut-être de moi. Me revoilà, désolé. Ouais. Ah non, j'ai encore le ralentissement, voilà. Donc il y a beau gosse qui tape l'automai x2. Ouais, deux coups à 600. Automai, putain, j'ai pris le coup d'automai avec Frisk qui dit ça. 700. Ouais, joli. Krala qui est un Krala. Le Krala vient de perdre 3 places à cause de la maladresse de masse, c'est ça? C'est la maladresse de masse, oui. Pêche ralentissante. Et en même temps, c'est qu'on a perdu un tour sur le futur, c'est chier. Oh, moins 4 PM sur le Xeon à la cinglante. Bien le focus de l'ennemi trop ennemi là, ouais. De Pucheco là. Ouais, c'est normal. Pucheco. L'ennemi qui peut pas faire grand chose, je suppose. Je vais voir le tac. Non, il est taclé pour le boss. Ouais. Ouais, il pourra pas lancer sa peut. Production. Parce qu'il va lancer son sac ennemi. Ça peut elle aussi. Ouais. Allô. Salut. Salut Freeze. Salut Freeze. Ça va? Bien et toi? Ouais, ça va. Bon. Tiens, pour une fois, ça fait bizarre de pas être, d'avoir pas de soi à gérer. Ah tiens, on m'entend dans le live. Pour une fois que tu sers à rien, Freeze. Ouais. Je sers toujours à rien. C'est ça que tu veux dire. Bon d'accord, bon. Il y a du peuple, ça va. L'ennui, il y a du peuple. Ah oui, on est 132. Ah ouais, quand même. Est-ce qu'on dit bonjour au moins? Non, même pas. Ils s'en foutent de moi. Ouais, t'as tout compris là. Comme toujours. Et bien. Donc je vais essayer de rejoindre le serveur Goultard. Bah ça lag. Est-ce que Krala a pu reconnecter? Je n'ai pas vu. Oui, Krala joue là. Ah c'est cool. Pour Krala il y a eu un bug avec. Là, il a planté. Il a perdu son tour 2, il a déco. C'est qui héberge la conversation Skype? C'est moi. Ah ouais d'accord. Non, parce que je vois que HK il bug assez quand même sur le live ah. Donc. Ouais. Non mais c'est bon, c'est okay. ça va. Voilà Freeze, regarde, t'es en train de pleurer, regarde dans les commentaires, on est en train de te dire bonjour. Ah. C'est juste qu'il y a un décalage aussi sur les commentaires. Bonjour, ça va pas. C'est toujours sympa. Bref.
On va aller voir le combat. Là, il y a Lenny qui vient de re-soigner un peu les nus. Ouais, il fait des petits mots de sacrifice. Pas spécialement énorme. 320, c'est pas... J'ai vu, ouais, c'est pas beaucoup. Oh, voilà. 55 de mal. Ouais, ça pique un peu, ça. Je crois que ça va abandonner. Je sais pas pour vous, mais... Là, quand même, les nus prend cher, là, quand même. C'est pas pour... Oui, bah, dès le tour 1, hein, il a été focus... Tour 2, pardon. Ouais, tour 2. Oui. Ça reste le gros drôle de la team en face, hein, la corruption. Ouais, parce qu'il y a la coco peut-être du hop, mais qui peut être évité. La coco sera certainement évité. Il reste en deux tours. Ça va être assez facilement évité. Oula, change ton micro. Apparemment, il y a un micro qui bug, mais... Ouais, il y en a un qui est en train de faire de la friture. Ça, c'est Joren. Parce que moi, je suis sur le live, c'est vraiment pas dérangeant. Bah, on entend si, un petit peu d'huile qui frit, quoi. Ouais, il y en a un qui est en train de faire sa friture à côté du micro, là. Et c'est pas vraiment très dérangeant, quoi. Ouais. Donc, ça va. Hop. Oui, on va... Tiens, t'as fait ta présentation, en fait? Non, c'est trop tard.